j'espère que vous allez bien. Alors je reviens avec une petite vidéo pour vous présenter mon top 5 des rouges à lèvres que je vais mettre cet été. Donc c'est parti. Alors je vais commencer par la marque Kiko parce que donc j'en ai 3. Ce qui est exceptionnel parce que d'habitude c'est que des Kiko. Donc je vais commencer par le 920. Donc de la gamme Smart Lipstick avec le packaging comme ça. Et donc c'est un rose. Alors il y a des petites paillettes là, mais une fois posées, on ne les voit pas vraiment. Je le trouve vraiment super beau. Je vais vous faire un swatch. Donc voilà ce qu'il rend. C'est un très très joli rose avec un petit effet glossy. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, le numéro 905. Toujours de la même gamme de chez Kiko. Qui lui est un orangé que j'ai déjà pas mal mis. Je le trouve vraiment sublime. Donc c'est la mode cette année, enfin cet été surtout des orangés, mais vraiment très 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 orangés. Celui-là est vraiment discret. Je vais vous montrer ça, hop. Donc vous voyez par rapport au rose, voilà, il flash pas non plus quoi. Hein. Il est assez discret et je le trouve sublime. Vraiment sur les lèvres, ça, je trouve que ça m'illumine le visage de suite. Ensuite, le dernier Kiko, c'est un rouge à lèvres en teinte 06. C'est une des dernières collections qui se présente comme ça. Hop. Et qui se tourne. Et voilà. Et j'adore ce rouge à lèvres. Il fait partie de mes favoris. C'est un truc de malade. Je le mets le matin. Il tient toute la journée. Je peux manger, boire, il n'y a pas de souci. Ça ne bougera pas. Ça va juste vers la fin de la journée quand même s'en aller un peu au milieu. Mais rien de moche. Et il y a encore toute la couleur sur les lèvres, quoi. Il a un fini mat et je l'aime d'amour celui-là. Voilà, un rose fuchsia. Il est sublime. Ensuite, je vais passer au Revlon Color Bust, donc les baumes mat. Celui-là, c'est la teinte 210 sans remords. Voilà. Et celui-là, pareil, il sent le Hollywood chewing-gum. Ça me fait toujours marrer, ça, c'est vraiment l'odeur des chewing-gum Hollywood. Donc, il est mentholé. Ça, par contre, cet effet mentholé sur les lèvres, j'aime pas vraiment. Mais bon, la couleur est trop sublime pour que je m'arrête à ça. Donc, je vais vous faire un swatch ici. Hop. Donc, vous voyez, il est là. Par rapport au Kiko ici, celui-là est vraiment... J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus néon. Il est vraiment orangé, quoi. Ça limite un corail. Enfin, franchement, celui-là, il est magnifique. On passe pas inaperçu une fois qu'on a ça sur les lèvres, ça c'est sûr. Et pour le dernier, c'est un rouge à lèvres de la marque Vivo. Et ça, par contre, c'est un rose, rose poupée. Hein. Vraiment le rose Barbie par excellence. Je vais le faire, j'ai plus de place ici. Et donc, il a un fini mat aussi, celui-là. Donc, il ressemble un peu, moi pas vraiment en fait. Celui-là est vraiment glossy, celui-là est mat. Ils sont vraiment super beaux. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, moi je suis l'été tournée vers les rouges à lèvres flashy. Franchement, j'abandonne un peu les yeux. Pas comme aujourd'hui par exemple, mais je mise tout sur la bouche avec des rouges à lèvres flashy, j'adore ça, j'attends l'été avec impatience à chaque fois pour pouvoir ressortir tous mes rouges à lèvres qui se voient. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en barre de commentaires quels sont vos chouchous en termes de rouges à lèvres. Et voilà, et n'hésitez pas aussi à liker ma page Facebook, tous les liens sont en barre d'infos. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt. Bye !